Salut zami mwen. Jodi a nan numéro 537 nan rubrik nou an, ma Bible, mon trésor, nou toujou nan sujet ki gen rapport avec la foi et les œuvres. Nan Jacques chapitre 2 verset 14 à 26. Il est vrai que ce passage contient les versets les plus controversés de l'épître de Jacques, mais également n'a pas reconnaître que Jacques abordait yon sujet qui très important. Yon sujet kap ede nou pi bien placer les bonnes œuvres, les bonnes actions dans le processus du salut du croyant. Nan contexte passage là, les bonnes œuvres gen plus rapport avec l'amour pour le prochain et l'obéissance à la volonté de Dieu. Bonnes œuvres que Jacques a parlé nan texte là, li pa vini avant la foi. Bien au contraire, c'est résultat la foi. Les bonnes œuvres représentent les fruits de la foi en Dieu. Les bonnes œuvres sont postérieures au salut. Est-ce la raison pour laquelle les œuvres sans la foi ne peuvent nullement nous sauver? N'a pas reconnaître également dans le texte là, Jacques a parlé de deux types de foi. Une foi stérile, qui pas utile en rien, et une foi authentique et vraie. Et cette dernière est visible au moyen des bonnes œuvres. Jacques invite nous également à réfléchir sur la qualité de notre foi. Est-ce que notre foi produit de bonnes œuvres ou est-ce que notre foi est stérile? Est-ce que la foi nous retient seulement dans de bonnes paroles ou bien est-ce que la foi nous produit de bonnes œuvres? Depuis le verset 14 là, Jacques dit nous, il est toujours plus facile pour un monde faire belle déclaration pour le dire moi-même, moi gagne la foi. Selon verset 19 là, déclaration ça même démon yo capable faire. Et pourtant, ça pas fait yo sauver pour autant. Puis gros question d'après Jacques, comment moun nan environnement pral faire connait que ou gen la vraie foi, la foi authentique s'il pas manifesté à travers les bonnes œuvres. À partir de verset 15 là, Jacques prend exemple ça. Si ou même qui dit ou gen la foi et ou yon sœur ou bien yon frère qui pa gen rad pou le mettre sous lit et qui pa gen manger pou le manger chaque jour. Supposé ou ta gen moyen ou même pou bal kek rad pou aider le combat ak Fredia. Bal de quoi à manger pou ti trip si span vale go trip. Et puis ou ta dit tout simplement mon frère ou ma sœur, allez en paix. Chauffez-vous et vous rassasiez. Jacques t'a crié au scandale pou le dire où est votre foi? Est-ce qu'on pas connaît si la foi pas produit de telles œuvres, elle est morte en elle-même. Yon moun te ka camper devant pour le dire, vous avez la foi et moi j'ai les œuvres. Montrez-moi votre foi sans les œuvres et moi je vous montrerai ma foi par les œuvres. Nous espérons que jusqu'ici tout est clair. La foi authentique et véritable li marre serré avec les bonnes œuvres. Calvin te résumé passage ça comme ça. Nous sommes sauvés par la foi seule, mais pas par une foi qui demeure seule. Notre salut exige la pratique de bonnes œuvres que Dieu a d'avance préparées afin que nous les appliquions. Sorti dans verset 20 pour arriver dans verset 23, Jacques prend ici un exemple Abraham à qui Dieu avait demandé de sacrifier son fils unique, Isaac. Est-ce que Abraham t'a obéi? Oui, il t'a obéi. Ça fait t'a obéi parce que il t'a gagné la foi dans mon Dieu et obéissance li, c'est une des œuvres qui démontrait sa foi en Dieu. C'est ça qui fait dans Genèse 22 verset 13, l'ange l'a dit lui: "Je sais maintenant que tu es un homme qui craint Dieu parce que tu n'as pas refusé de sacrifier ton fils, ton unique." Et Jacques, dans verset 23, lui confirmait cette vérité. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Jacques, maintenant au verset 25, avançait un deuxième exemple, celui de Rahab, la prostituée. Nous jouons l'histoire ça dans Josué chapitre 2, verset 1 à 16. Rahab t'a accordé hospitalité aux espions envoyés par Josué. Il t'a aidé à quitter la ville de Jéricho. Dans le texte là, il est très clair.
ce sont les bonnes actions de Rahab qui pourraient prouver et démontrer la véracité de sa foi en Dieu. Qu'on y a, m'pense, nous capables de conclure, même Jean avec Jacques au verset 26, comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Dans notre plus prochain numéro, nous pourrons aller dans chapitre 3, dans le livre Jacques là. Entre temps, pas oublier, sous votre quoi abonner, profitez de faire ça. Prenons abonner à la cloche notification, choisis toutes. Bah, nous un like, quittez un commentaire et voyez le lien by l'autre monde dans la liste contact pour faire même bagaille là. Merci beaucoup.